Le SAMU social de Libreville au Gabon vient de se doter une fois de plus de matériel de radiologie de dernière génération. Grâce à ces équipements modernes, les professionnels de santé peuvent désormais obtenir et procurer des images de qualité qui facilitent une prise de décision éclairée. C'est un appareil aujourd'hui, si une structure hospitalière là, elle est idéale pour les services de réanimation, pour les services des urgences, pour les services de traumato, où un patient ne peut pas se déplacer pour descendre au service d'imagerie, faire une radio. Donc, avec cet appareil, vous montez directement au service, vous faites la radio au patient sur le lit de l'hôpital. Et c'est idéal vraiment parce que, avec la mobilette qui l'accompagne, nous, désormais, au SAMU social gabonais, on peut imprimer les clichés des patients. C'était difficile pour nos patients parce que parfois, quand ils allaient dans d'autres structures, on leur demandait de recommencer à faire l'examen de radio et ils étaient irradiés une seconde fois. Ce n'est pas très idéal pour la santé. Venant effectivement renforcer les performances du SAMU social, ces nouveaux matériaux radiologiques ont un impact positif considérable sur la qualité des soins offerts aux patients. Hier encore, on faisait des radios sans clichés. C'était un véritable problème pour beaucoup de médecins. Et aujourd'hui, on fait les radios, on imprime le cliché, le spécialiste, le généraliste est tout content de recevoir son bon examen. Réduire les délais de diagnostic, améliorer la précision des informations cliniques et accroître la confiance des patients dans le service offert sont là les objectifs visés par le SAMU social. En fin de compte, ces efforts permettront de sauver des vies et de créer un environnement de soins plus efficace.